Bienvenue dans l'épisode numéro 49 de Zelda 3T. J'avais pas tout à fait fini de parler à tous les gens de ce village. Ça fait un tranquille, ne m'a rien offert. Tu veux pas un petit trésor là? Je crois que j'ai fait le tour de ce village. Donc il me restait à aller voir le dernier des sages. Qui est juste ici au sud, dans ma future maison en fait. Je devrais tuer les monstres parce que c'est de pire en pire si je les tue pas. Voilà, c'est ici que je voulais venir. Désormais, c'est à toi de jouer. Trouve les 7 cristaux magiques qui trouveront l'accès au légendaire temple des déesses et sois le premier à t'emparer de la Triforce. D'accord. Donc, lui, il me parle des 7 cristaux. Donc, je savais bien que j'avais pas rêvé. Et l'autre, il me parle de 4 temples avec 4 trésors. Mais au final, tout le monde s'en fout de la gemme verte. Alors, je réfléchis à ce que je vais faire du coup. Je pense que je vais tourner en rond pendant une bonne partie de cette vidéo. J'ai réussi un temple, mais je sais pas du tout qu'est-ce que ça me débloque. Alors, du coup, je vais retourner au temple de l'eau, que j'avais à moitié fait et que je pouvais pas. C'était où déjà? Ah oui, c'était là. J'avais conclu que comme j'étais bloqué, c'était pas le moment de le faire. Mais je vais quand même vérifier. Mince. C'est évidemment pas là, c'est dans le passé. Ah oui, c'est celui-là. J'ai eu un bug. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui, le forgeron? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et toi non plus, tu veux pas les 4 gemmes par hasard? Alors, un champ du temps accéléré. Il faut. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis apparu sur quelque chose là? Ah, je suis dans le mur. Champ du temps inverse, enfin inversé, et temple de l'eau. Aïe. Donc le temple de l'eau, j'avais presque tout fait en plus. C'est quand même incroyable de s'être retrouvé bloqué comme ça. Ah oui, je me souviens, je m'étais dit, il faudra que je vérifie s'il n'y avait pas moyen de tomber à un moment donné depuis le haut pour obtenir quelque chose. Et lui, est-ce que je peux le tuer au fait? Non, je peux pas le tuer. Peut-être avec une bombe. Ah non, les bombes, elle apparaît trop loin là. Je me disais peut-être que si je le tue, ça va déclencher un mécanisme, ouvrir une porte, je sais pas. Mais je peux pas le tuer, je vois pas comment. C'est pas grave. Donc là, je suis au moins un. Ok. Je me souviens pas avoir vu de trou pour tomber au moins deux. Donc. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais revisiter tout. Et puis on verra bien.
Eux, je les aime pas du tout. Voilà. Ça s'est déjà activé. Ah oui, ici, il y avait ce fameux coffre. Parce que c'est bien un coffre. Mais j'ai jamais réussi à le faire apparaître. Je vois pas d'autres boutons à activer, d'autres monstres à tuer dans cette pièce. Donc ça, c'est un grand mystère. Puis là, de toute façon, je peux toujours essayer un mur fissuré, mais je pense pas. De toute façon, je vois pas en quoi ça ferait apparaître un coffre. Ah, c'est frustrant, je sais pas ce qu'il faut faire. En plus, là, je peux pas revenir. Ah, faut que je revienne par là. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est dans cette salle qu'il y a quelque chose à faire quand même. Bon. Demi-tour toute. C'est pareil, cette porte-là, j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Hein. Et là, à gauche, j'ai jamais pu y aller, de toute façon, c'est verrouillé. La porte est toujours fermée, même quand j'ai tué tout le monde. Après, j'ai deux portes possibles. Je vais aller voir par là. Ici, ça me ramène là où j'étais. Ici, il n'y a pas grand chose. Et là, c'est une énigme que j'avais finalement résolue en faisant fondre les deux blocs. Et au final, je reviens. Oui, je reviens. Ça me ramène ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans cette salle? On peut aller en bas, bien sûr. Cool, de l'énergie magique. Ceux-là, je peux les faire fondre, mais de toute façon, ça sert plus à rien. Donc bah, c'est fini. On peut rien faire de plus ici. Allez hop, on s'en va. Allons vérifier par là. Aïe. Je vais me faire tuer. Ça, j'avais réussi. C'était une énigme cool. Donc là, j'avais déjà eu cette petite clé. Je pense que c'était une petite clé, je me souviens plus. Ok, bon, bah voilà, j'ai revisité ce secteur.
Un accord, faut que je repasse par ici. Après, je peux aussi vérifier par là. Là c'est pareil, j'avais fait ce qu'il fallait dans cette zone là. Je peux pas passer par là? Faut que je fasse le tour. Ah. Bah oui, tout ça j'ai déjà fait. J'ai quand même essayé de tuer tous les monstres parce que... Ah bah non, je les ai déjà tués, je crois. Je les ai déjà tués il y a 2 minutes, non? Je vais quand même réessayer. Juste pour être sûr. Voilà, bon, il se passe rien. Aïe. Donc, à cet étage, je viens de revisiter absolument tout ce que je pouvais. Donc, je descends. Ici, il y a le coffre que je peux pas atteindre. Gros. Et puis même si c'est, même s'il faut tomber depuis l'étage du dessus, j'ai pas accès à l'étage du dessus. J'ai pas accès parce que c'est cette porte-là, là-haut. Et jusqu'à présent, j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Donc, ici, c'est mort. Oups. Et par là... Je me souviens très bien que par là, j'étais bloqué aussi, de toute façon. Ici, il me faut une clé que j'ai pas. Ensuite, par là. Ah, quand même. Voilà, ici, impossible de passer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, je peux pas. Hein. Je peux pas mettre de bombe. Mon arc qui est super puissant, il peut quand même pas casser les vases à distance, donc c'est pas ça. Aïe 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 aïe, je suis bloqué. Par ici, qu'est-ce qu'on avait? Toi, je t'avais déjà tué.
Ah oui, ça j'avais fait, je me souviens de ça. C'était même assez dur. Oula. On va y aller très doucement. Là, je suis bloqué de la même façon. Et puis de toute façon, j'ai pas de clé pour passer. Ah! Et voilà. Ensuite là-haut. Je me souviens plus du tout ce qu'il y avait là-haut. Ok, juste un bouton qui avait ouvert une porte. Mais je viens d'y aller tout à l'heure et je pouvais pas passer, donc ça servait pour l'instant à rien. Et quand on va par là, on peut pas utiliser le grappin depuis l'eau pour aller de l'autre côté. Oui, il faut passer par là. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y avait cette fameuse énigme. Que j'ai jamais réussi à résoudre parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, donc c'était pas ça. C'était pas simplement les faire fondre. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire dans cette énigme. Je vais juste finir ma petite visite. Ça, j'avais fait. J'avais réussi avec un petit peu de mal. Et puis par là. Ce donjon est quand même assez vaste, hein. Je m'y perds un petit peu. Je m'y perds beaucoup plus que dans le temple de l'air. Boum, le Stalfos. Ok, tout ça pour revenir ici. Bon, je vais arrêter cette vidéo pour l'instant. Et puis je vais essayer de réfléchir à cette énigme. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Désolé pour cet épisode qui n'a pas mené à grand-chose. Salut!